La crise écologique et ses dangers. Une crise écologique se définit en tant qu'érosion pérenne de la biodiversité d'un écosystème ou d'une espèce donnée. Le but de l'écologie est de ralentir cette crise et mettre en place des mécanismes forts pour protéger l'écosystème et tenter de l'éviter. Cette crise écologique est le résultat de la pollution et des déséquilibres causés par les activités humaines. Le réchauffement climatique en est l'un des exemples les plus connus. Les émissions de CO2 issues des énergies fossiles et de la production mondiale d'électricité, ainsi que par l'agriculture et les industries humaines, contribuent à perturber l'équilibre de l'atmosphère et donc du climat. Conséquence, une augmentation de la température moyenne de la planète. Ce qui transforme l'écosystème global.